Y también para caja torácica, para postura del cuerpo. A nivel del jaw, cobertura del jaw, estiramiento del jaw, apoyo plantar completo, la temperatura de los pies, liberar los músculos posturales, del cuello, del tronco, para mejorar el sostenimiento D'accord. Et bueno, que sont 26 points. Voilà, ça fait 26 points d'opération. Donc, c'est une phase, nous pouvons conseiller différents résultats libérant les muscles de la rigidité qui est en une opération, vous allez obtenir des résultats sur tous les muscles qui vont être opérés. Entonces, las operaciones, la operación dura 30 minutos, para realizar todas 26 microoperaciones. Y así, en una operación, conseguimos varios resultados. La operación se realiza bajo anestesia general. Un par d'intubation, maestro cose solo. Io respiro tutto solo. E bueno, sono 24 ore di intubazione. Ah, e sarà ospitalizzato 24 ore. C'è che opera tutti i mardi, quindi se viene a fare operare, il rentra il mardi alla clinica, il resto di nuit, la nuit che può restare più la nuit. E il mercoledì mattina, il può sortire dalla clinica. La operazione si realizza in Barcellona. E le operazioni in Barcellona. Entonces, si estás de acuerdo, habrá que pedir la ficha de operación, preparar la analítica. Entonces, si quieres de acuerdo con la operación, te van a enviar una data de operación que se va a llevar ensemble para fixer. Y a partir del momento que fixe una data, nos donará todos los tests preparatorios a hacer. Como sea, vos deberías hacer un mes avant en France, y que el resultado de los envíos, vos deberías fixar con sus. Análisis de sangre, análisis de urine. On ne va pas demander plus. Pour le cas un peu plus compliqué, on peut demander des électrodes par le long, mais là, ce n'est pas le cas. Et après l'opération, il faudra qu'il continue de travailler sur la dépistation, la marche. Et après l'opération, c'est pour travailler donc, avec la verticalisation et la marche. Et pour qu'il s'approche de la spécialité, s'il va y gagner. Qu'il profite des résultats de l'opération pour continuer à évoluer. Donc, l'opération est. Minimalement invasive. Opération minimum invasive, donc il n'y a pas d'ouverture. D'accord. Pas de suture, pas de cicatrice, pas d'immobilisation. Ah, pas d'immobilisation, mais pas de plâtre. La seule chose, quand on doit le faire, c'est pour faire un. De pied à partir de la. Bueno, un poco à partir de deux semaines, mais je ne sais pas bien que pour une station. Pendant 3 semaines, il ne pourra pas se verticaliser vraiment dans le verticalisateur. À partir de 2 semaines, si vous voulez remettre un tout petit peu de vie pour lui faire tester justement la nouvelle position, vous pouvez. Mais ça n'hésite pas plus. Vraiment plus à partir de la 3e semaine. Et pour le 4 pattes, il n'y a pas de souci. Paragatea ? Paragatea, on va se marrer. Une semaine. Une semaine. La première semaine, non. À partir d'une semaine. Oui. Et quand c'est un risque minimum. Le risque minimum. Anesthésie. Et l'opération en soi est superficielle. Y así conseguimos liberar casi todo su cuerpo. Vamos a volver a hacer en una operación liberar casi todos los músculos de su cuerpo. Para poder ver la diferencia de poder. Entonces, unas mejorías va a salir a partir de un mes. Y hay ciertos resultados que vais ver a partir de un mes y hay otros que vais ver a plus long terme. Para tener un petit abscis. Y. Es que no simplemente estoy liberando los músculos, también liberando los músculos conseguimos mejorar el riego sanguíneo y el metabolismo de los tejidos. Vous libérez pas juste les muscles en faisant l'opération, vous lui permettez aussi d'avoir une meilleure vitalité. Vous libérez un peu la façon. Si el músculo consigue más fuerza, más funcionalidad. Les muscles gagnent en fonctionnalité. Les gagnent en fonctionnalité. D'accord. Bueno, y después aconsejo usar algo para estabilizarle, para que pueda
vivre, estar bien, los zapatos altos. Voilà, tout ce qu'il va vous conseiller, par exemple, quand vous allez escalader, ça va être de mettre des chaussures hautes pour aider à bien mettre les chaussures. Y mejor que realice fisioterapia después de la operación en mejores condiciones. Y toujours, pensez à la kiné, la préparation. Mm-hmm. Son corps sera mieux, il sera en meilleure condition, il pourra travailler beaucoup mieux. Mais ça, il faut trouver le faire. Ça, c'est une inutile. Bon. La physio, pour, la kiné, vous pourrez commencer toujours après. Au départ, elle devra faire que des mouvements passifs, mobilisation, elle pourra aller debout pour essayer de faire marcher un petit peu. Et à partir de deux mois et demi, reprendre comme elle a. Et tout ce qui est intensif, donc toutes les kinés, les thérapies, donc la rééducation intensive, le feedback, etc. Ces choses-là, à partir de 3 ans. D'accord. Bueno, entonces, este niño tiene posibilidades, tiene buenas expectativas, y bueno, yo creo que va a superar bien la operación. Je pense qu'il n'y aura aucun souci pour l'opération. Il va bien supporter les gens. Et la zone de l'opération peut paraître un peu d'inflammation, un peu de morale. Voilà, le seul risque réel de l'opération, c'est que la tête après, il ne vous verra pas des mains. Mais c'est tout, ça dure une semaine, deux semaines, et après ça va disparaître. Et par exemple, parce que donc, si j'ai bien compris, c'est des fibres qui sont prises. C'est ça. Si, admettons, il ne bouge pas la bande. Impossible. Quand il est sous anesthésie, générale, on est totalement détendu, on est relâché. Donc les fibres saines vont être détendues. Les seules qui vont rester contractées, rigides, comme ce qui vous a fait toucher, comme une corde, ça va être les fibres pathologiques, donc les raccourcis. Il ne peut que sectionner ça. Et comme son bistouri, c'est pas un ciseau, c'est un bistouri, donc c'est fin, c'est pointu, il peut sectionner que ce qui est rigide. Pour couper une fibre saine, il faut le raciner. Donc tout ce qui est sain ne peut pas être touché. Et dans le cas où ça serait touché, ça donnerait quoi ? Impossible, c'est que ça ne peut pas être coupé. Ça ne peut pas être coupé. Avec le bistouri, il ne peut pas. Il ne peut pas le couper. Parce que on se pose quand même beaucoup de questions. Parce que on va être franc avec vous, tous nos médecins, y compris ceux qu'on n'a pas, qui on en a parlé, ils nous ont déconseillé cette opération. On n'arrive pas à savoir pourquoi. Quand on leur demande le pourquoi, ils nous disent que c'est pas légal, c'est pas. Ça marche pas, que, alors que d'un côté on voit les médecins qui nous disent ça, d'un côté on voit les enfants qui évoluent. Mais c'est sur la durée le problème. On a trouvé personne qui. Ça fait plus de 3 ans par exemple. Sur internet on n'arrive pas à trouver. Par exemple, la directrice de l'association, ici, elle connaît le médecin depuis 6-7 ans maintenant. Son fils s'est opéré il y a 6-7 ans. Si vous voulez parler avec elle, elle peut vous montrer son fils il y a 6-7 ans. Après, nous pouvons aussi vous mettre en choc avec des patients plus anciens. Et donc, il fait pas de. Enfin, il n'y a pas de radio pendant l'opération, rien du tout. Parce que tout, il en surpasse alors, si j'ai bien compris. C'est ça. D'accord. C'est pas à l'intérieur du muscle, c'est à l'extérieur. Tout est superficiel. Le muscle en soi n'est pas touché, c'est l'enveloppe musculaire. Ça éclaircit certaines choses qu'il nous disait, parce qu'on nous disait qu'il disait à l'aveugle. Que tu peux pas rentrer dans un muscle et savoir comme ça qu'est-ce que tu dois faire. Voilà, le truc c'est qu'il rentre après, si c'est à l'extérieur, là oui, ça s'explique. Pourquoi en France et pourquoi c'est pas un disque. Parce qu'ils connaissent pas la technique en France. Ils la connaissent pas. Il n'y a aucun médecin français pour la faire. Ils l'ont appris à personne. Alors là, c'est le docteur Lucilat ou le docteur Mazarov. Et pourquoi ils veulent pas l'apprendre. Parce qu'ils l'ont gardé pour eux. Ils ont essayé plusieurs fois et certains médecins sont restés une journée à regarder 2-3 opérations et sont repartis dans leur pays en prétendant savoir le faire. Et du coup, on fait un petit peu de la charcuterie dans leurs opérations. Ils coupent les tendons. Ils m'accusent de nous stop. Donc pour l'instant, il y a le seul maintenant à l'origine, c'est le docteur Azor. Malheureusement, le docteur Azor peut essayer. Ce que je comprends pas, toi, c'est que les médecins français savent pas le faire, comme beaucoup d'autres opérations, des autres opérations où on doit aller dans des pays extérieurs, par contre qui elles sont remboursées. Là par exemple, ils veulent même pas en entendre parler. Quoi. On veut pas en entendre parler. Mais pourquoi ? Pourquoi celles-ci ils veulent pas en entendre parler ? Il n'y a pas que celles-là, il y a plein de choses qu'ils veulent pas accepter. Pour eux, c'est pas reconnaissable, mais pourtant ils les voient, ils les résultats. Après, il y en a certains, ils sont aveugles, ils veulent pas. Soit ils ne veulent même pas revoir leurs patients, soit ils pensent que c'est un miracle. Mais il y en a même certains qui nous disent que
Et là, bah, c'est les toxines qu'on a pu leur faire avant. Et c'est des plâtres qu'ils ont pu avoir, par exemple, pour les pieds. Nous, on ne comprend pas nous-mêmes. Hein. Pourquoi ils veulent pas? Parce que des tests, on avait fait justement des avant un peu pour prouver les résultats. Mais ils l'ont pas reconnu parce que c'est pas les analyses qui avaient été faites en France sur des patients français et pas par un médecin français. Donc pour eux, ça ne compte pas en France. Et le dernier pays, par exemple, à avoir reconnu la technique et qui a remboursé l'opération, par exemple, ça a été en Inde. Parce qu'il y a des pays qui reconnaissent la technique alors, autre que l'Espagne, et donc je pense qu'il y a aussi ça à rembourser. Mais en France, non. Et maintenant, c'est même l'Italie. En Italie, maintenant, ils arrivent à rembourser une certaine partie de l'opération. Parce que bon, c'est pas, moi, c'est pas l'histoire du remboursement qui me chagrine, ça, c'est à part. Après, c'est le fait que la France... C'est là-dessus que je bloque, c'est avec toute la technologie qu'ils ont. Et malheureusement, on pourrait même pas vous expliquer nous-mêmes, parce que nous, forcément, on préférait aussi que ce soit reconnu. Comme ça, plus d'enfants pourraient en bénéficier, mais... C'est normal, c'est pas mieux.